Hey, 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 cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Croc the Big Heist. Nous avions la dernière fois réussi à passer quand même pas mal de choses hein, depuis ici. On était resté là tranquillement avec ce garde qui a un tour de garde assez particulier. Et là, il va falloir que je m'organise pour rentrer dans cette pièce ici et dans cette pièce-là et dans cette pièce-là. Alors, premièrement, il va falloir ouvrir les portes. Celle-ci, elle est voilà. Celle-ci, elle est ouverte comme ça. Ici, il faut y aller pour désactiver les cams. Donc, ça peut être intéressant, mais pas cette caméra-là, bien sûr. Mais bon, c'est possible de la pirater. Enfin, bon, j'ai capté comment on peut faire. Le souci que j'ai, c'est son tour de garde à lui et il faut que je vois combien de temps il met en fait dans telle direction tout ça pour voir si j'ai le temps moi de sortir et de faire ce que je dois faire. Du coup, je pense que Bishop. Oui, c'était Bishop que je voulais envoyer pour ouvrir les portes. Il y a deux portes à ouvrir. Écoutez. Il n'a pas encore commencé sa garde peut-être. Je ne sais plus, je vous rassure, je ne sais plus. Je vais donc. Ah ouais. Et après, il revient. Il vient là. C'est assez complexe. On dirait qu'il fait ça et qu'il revient comme ça et qu'il. Non, il va par là. Donc il faudrait qu'il attende qu'il aille par là. Mais il a un tour de garde assez court. C'est assez compliqué en fait. Écoutez, je vais essayer de compter. Une, deux, trois, quatre, cinq, on va dire cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Donc on va dire 11 secondes qu'il ne voit pas ce qui se passe quand il va par là. Voilà. C'est un peu tendu, hein. Là, normalement, il devrait aller par là. Donc, on va dire 54. 10, 11, 12. Donc, c'est kiff-kiff, en fait, entre le moment où il verra pas, il va par là et il va par là. Là. Il va par là. Donc on va le laisser aller par là. Tu vas te mettre là. Alors, quelle porte je vais ouvrir en premier? C'est tellement chaud en fait parce que. Peut-être dire celle-là. Parce qu'en fait, quand il ressort, il va par là, c'est-à-dire qu'on pourrait se planquer peut-être par là et il nous verra pas. Je pense que je vais tabler sur celle-ci. Donc, faut attendre qu'il se tourne pour y aller. Tu vas pouvoir sortir. Normalement, on joue tout, hein. Non, non. À la limite, si tu peux. N'aura pas le temps. Ah ouais, non, mais là, c'est mort. Non, ça faisait pas partie du plan, non. Ça faisait pas partie du plan. Et bon, bah, il va falloir que je m'organise mieux que ça. Je sais pas combien de temps il met pour une lock. Je suis en train de penser. Ça, c'est une clé de coffre-fort. Oui, donc
on s'en fout. Le mieux, ce serait vraiment de l'enfermer dans une pièce. Mais cette pièce-là. Mais après qu'il soit passé. Celle-là, à la limite, je peux rester là, il va pas te voir. Si j'allais dire, il pourrait arriver, rentrer directement après son passage. Ça pourrait m'arranger. Oh! Ah non, il est rentré dans le truc. Non, c'est mort. Allez, c'est mort. C'est mort, c'est mort. La strat était bonne. Ok, on est revenu. La strat était bonne, j'ai été juste trop rapide. Mais la strat était bonne. Oh, oui. Alors, le truc, c'est que là, il va revenir faire son tour là. Donc, dès qu'il sera passé. Ouais, mais son cercle rouge, il sera dedans, hein. C'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Où est-ce que je pourrais le foutre? Parce qu'il va le voir dans la pièce. À moins que je le mette là dans le coin, il va peut-être pas le voir. Écoutez, on peut tenter, hein. Je vais faire ça comme ça. Je suis pas. C'est pas grave. Est-ce que regardez, il va le voir, non, en sortant? Ouais, il va le voir. Parce qu'ils ont des angles d'action un peu. Je vais tenter, hein, je pense que j'en suis. Ouais, bon, bah. Ouais. C'est pas possible! On peut tenter, on peut tenter. En fait, il faut qu'il ressorte aussi sec. Je sais pas comment faire. Là, il revient. Ouais. C'est chaud. On peut pas le. Ah si, il est possible de l'étourdir! Mais pourquoi je m'enquiquine, moi? Allez hop! Voilà. Voilà! Pourquoi je m'enquiquine? En fait, j'avais pas fait gaffe qu'on pouvait l'étourdir. Bon bah voilà, c'est safe maintenant! C'est parti. Tout le monde peut venir! Voilà. Compliqué. Pourquoi je cherche la complication, les enfants? Non. T'es obligé d'aller dans le truc de caméra, toi. T'essayes de me casser les couilles, hein. Ok. Toi, une fois rentré, t'iras prendre ça. Faudrait qu'on fasse la caméra. Celle-là, il faut aller ici et ici. Bah. Est-ce que bon, pour désactiver la caméra, je suis obligé de me faire choper par la caméra, ça va pas être possible sinon. Il faut aller ici. Mais pour aller ici, il faut ouvrir ici. Et pour ouvrir ici. Pour ouvrir cette porte-là, il faut aller là. Voilà. Bien fait. Écoute, tu vas y aller. On va se faire choper par la cam. Voilà. Je ferai l'aimant après et puis.
racheter? Ok, ça c'est good. Il y a un truc qui s'est activé ou désactivé. J'ai pas fait celui-là. Bon. Au pire, il y a tout un meilleur venir par là! Tu vas. Toi, t'as un aimant à caméra. Degrés. Tout va bien? Tu vas. Celui-là, c'est un tableau. Ah non, c'est un tableau de distrib. Pareil, la caméra c'est ici. Mais tu peux la me défaire, la cam, déjà. Au travail. Toi, tu pourrais m'ouvrir. Ouais, ce serait pas mal que tu viennes là. Ça c'est fait. Et moi qui me compliquais la vie avec ce type. Ok. Tableau de distrib, ouais, ouais. Tu peux y aller. Ah, nous avons ça. Parce que elle me sert pas à grand chose. Je me dis que là, elle peut avoir accès ici. Pour ça, le tableau de distribution. Ah, ce sera intéressant. Mais lui, réalise ses compétences de refus. Elle peut aller là. Ah, elle peut... C'est un décor. Ok. Je teste. Et pour aller là... Ah bah, il est en train de le faire. Donc, ouais. Reste pas trop dans la ligne de mire, parce que je pense qu'on va se faire nikesh sans le vouloir. Ce serait dommage. Sachant que lui, il y a deux choses à faire. C'est quoi qu'il faut? Ah. Faudrait pas que je l'active ce truc, sinon... Ah si, pour ouvrir et fermer. D'accord. Très bien. Donc si, il faudrait que je l'ouvre quand même. Très bien. Je réfléchis au fur et à mesure, parce que sinon... Il y a ce truc-là, c'est un timer d'aller de caméra. Le problème, c'est qu'il est hyper rapide, lui. Comment je vais faire? Tu vas venir? Il va falloir que j'aille dans son dos en fait. Genre là, tu rentres. Ah, faut que je me mette bien, sinon il va la capter dans le. C'est chaud parce qu'avec le cercle de perception. Voilà, faut que je le fasse en plusieurs fois en fait. Ça va être chaud, patate. Hein. Là, ça va être chaud. Je préfère vous le dire. Tan. Pas sûr du tout quel est le temps. Hein.
elle a un truc. Ah, c'était pour aller là. Bon, bah, j'avais pas fait attention. Maintenant, tu t'en vas. Voilà, ça c'est fait. On a gagné, on a... Voilà. On est devenu incognito, donc ça c'est une bonne chose. On a ici, on peut passer, on a tous merdé là. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on aille dehors. On a ça à défaire. Mais il y a lui. C'est quoi le topo ? Comment ça marche, ce truc ? Attire l'attention des gardes qui s'approchent pour pouvoir la ramasser ensuite et reprendre la place de... D'accord. Donc en fait, ça va pas me servir pour le coup. Il me faudrait des semelles. Ça, c'est. On peut passer là, il n'y a pas de souci. Parce que j'irais bien prendre ça. Je veux. Tu veux bien que je chope ça, ma cocotte? Tu peux ouvrir la porte, nickel. Tant que le mec qui te voit pas en face, c'est parfait, parce que bon. Tu vas te remettre derrière la porte. Ok. Ok. Bon, je vous rappelle que celui qui tape, c'est celui qu'on avait enfermé... Là. Et il est toujours en train de taper, on l'entend super fort, mais bon, c'est... Normalement, il n'y a pas de soucis, hein. On a fait tout ce qu'il fallait. Ouais. Maintenant, il faut qu'on aille par là. Oh là là. Après, on est quasiment sur le... Enfin, ouais, il y a encore tout ça, quoi, à affronter. Il y a les... Il y a tous les tours de garde ici aussi. Ah, il y a un poète-poète. Là, il y a une caméra. Ah ouais, d'accord, les caméras... C'est là. Ok. Et là, on a deux gardes. Mais bon, on peut y aller peut-être par... par les quais, tout ça, hein. Et elle pourra rentrer là. Voilà. Cette pièce... Ah si, on peut ouvrir là. Non, c'est parce que lui, il vient de rentrer, je pense, surtout. Ah, c'est chaud. Enfin, quand je dis les quais, c'est tout ce qui... tous les trucs qui sont pas dans les bâtiments. Il y a moyen que ce soit utile à un moment donné. Parce qu'on était sortis, là. On a une sortie ici, par exemple. Ça nous ferait revenir presque en arrière. Et ce serait utile pour aller là. Mais il y a la caméra, donc... Là, elle peut sortir pour aller là. Mais bon. Au final, ça n'est pas très utile. Pam, pam, pam. Genre, de ce côté-là, il n'y a rien. C'est pas... Ce n'est point autorisé. En fait, le seul moyen... Ah non, il y a là aussi. Imaginons. Lui, il passe là. Elle vient. Elle vient là. Elle sort. On est sur les trucs ici. Ah. Que là, elle pourrait repasser là, dans les toilettes en face. Mais il faudrait qu'elle défasse deux cams. C'est peut-être un peu trop. Et revenir ici. C'est un peu tôt. Ah oui, ouais, on était passé par là. Donc on n'a même pas eu accès vraiment à cette porte en fait. Je l'ai ouverte, mais.
Ah oui, bah je réfléchis parce que c'est un peu complexe. Ah non, on est obligé de passer là. Mais il y a une cam. Je fais pas. Alors, disons qu'on fait passer Bishop. Bishop, on le fait passer. En plus, c'est tendu parce que. Si j'ouvre la porte, je fais qu'ouvrir la porte. Le mec, il va nous voir à chaque fois arriver, quoi. Faudrait le faire bouger, lui. J'ai un pouet-pouet. Bishop. Non, il faudrait que ce soit elle. C'est elle. C'est elle qui va dropper. On va dropper un truc, par exemple. Voilà. Bishop. Toi, tu vas dropper le pouet. Elle va le récup. Voilà. Ça, c'est bien. Tu peux bouger. Et toi aussi, tu peux bouger. Mais je vois quelque chose. Toi, tu peux prendre ça. Toi, tu peux prendre ça. Elle. Elle va venir là. En espérant que lui la voit pas. Oh, ça va être chaud. C'est bon. Voilà. Elle peut poser le machin. Le pouet. Lui, il bougera. Elle a une fourche en plus. Ah, mais s'il bouge et qu'elle a une fourche, je suis obligée de la faire repartir. C'est juste autant qu'on défasse ça en fait. C'est un peu compliqué. Donc en fait, c'est soit on le fait bouger par là et quelqu'un vient ici pour faire ça. Soit on le fait bouger par là et elle, elle vient. Dans les deux cas, je serais obligée de me faire cramer ici. Bah écoutez, on va refaire échange. Mais bah, je suis obligée, hein, les enfants. Alors, tu vas attendre que lui passe. Tu vas revenir dropper ça. Non! Oh là là, si je fais nawak. Tu vas venir là, dropper ça. Voilà, ça. On va venir là. C'est quoi le topo? Et toi, tu drops ça. On s'en fout. C'est-à-dire que je vais la refaire passer là. Toi, tu vas te faire... Grugé par la cam, je suis obligée, pour défaire ça. Et il ira défaire ça. Mais c'est, je suis obligée, à un moment donné, je peux pas faire autrement. C'était juste pour ça. Et il va devoir revenir. Je vais lui faire poser le pouet. J'ai droit qu'à un essai. Et je le refais revenir là. Pendant ce temps-là, elle qui sera juste derrière le gars, elle ira court-circuiter ça. Donc ça veut dire qu'il faut que je le mette quand même Une serrure accrochetée. là. Je vais re me faire choper par la cam. Heureusement, j'ai un petit aimant ici qui pourra m'aider. J'aurai pas d'autre choix. En espérant aussi que, bah, j'ai envie de dire, quitte à se faire choper par la cam, il va retourner en arrière, hein. Voilà.
On va faire ça. Je réfléchis. Et elle? Je crois qu'un essai, hein. Ah, oh, c'est pas vrai. C'est moi qui ai merdé, Lucette. Non, mais franchement. C'est dommage. Ok, ça m'a save là. Je suis prêt. Alors dans ce cas-là, je vais mettre le truc là. Parce qu'il va l'écraser, il la verra pas tout de suite. Et tu peux revenir par là. S'il te plaît. Salut. Je devrais pouvoir passer. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre ça. Parce quoi? J'ai plus le son. Mais non, mais si j'ai plus le son, les enfants, vous m'entendez? C'est à cause de mon câble et tout, ça a déconnecté tout le merdier. Ah, c'est pas vrai, j'espère que ça va fonctionner quand même. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'elle a foutu? Ça me fout de la merde. J'en ai marre que ça me save toutes les. Putain, mais sans musique en plus, c'est vraiment insupportable. Je suis pas habituée. J'avais bien cliqué comme quoi elle faisait le truc, non? Oh là 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 là. Ah, ça m'angoisse de plus avoir le son. Bon bah on est reparti. Attention. Je suis prête. La caméra, c'est normal. Ah mais c'est très horrible de jouer. Yes. Elle l'a fait. Oh là 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 là. Mais non, il y a lui. Qu'il faut pas qu'il la voie. Just in time. Just in time, on s'en sort. Oh. Je suis choquée. Par contre, pour les caméras, c'est la de mer. C'est la de mer. Mais là, je m'en suis sortie. Ça veut dire qu'on a juste l'accès là. On a juste les cams qu'il faudra éviter. Comment, je ne sais point, mais il faudra les éviter. Hein, parce que bon, je vais envoyer l'Opcovitz, ça a monté encore et il ira les désactiver. Sans oublier le mec qui a une vue plongeante sur nous. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire tout ça. Et comme il n'y a plus de son, que ça me perturbe énormément. Je vais attendre que lui finisse son tour et on s'arrêtera là. Parce que je pourrais pas continuer son son, c'est un vrai problème. Ça m'indispose énormément et j'irai retrouver les vidéos, enfin l'aimant aussi, parce que sinon ça va pas être facile de jouer dès que lui il est passé. Tu peux revenir chercher là l'aimant, la vidéo, espérant que tu te fasses pas choper. Parfait, tu reviens là.
Comme tu es pas venu. Ouh, non, attends. Il est trop rapide, lui. Il est inquiétant. Hop, tu peux y aller. Ok, bon, on va s'arrêter là pour cet épisode de Crooks. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Toujours des fails, hein, bien sûr. En même temps, on n'a pas beaucoup avancé pour l'instant. Enfin, oui et non, parce que j'ai juste géré cette toute petite partie, mais c'était un peu complexe. Avec des fails, bien sûr, ça va toujours mieux. Et la prochaine fois, ce sera pire parce qu'on va arriver dans cette ère-là. Et oh my god, quoi. La sortie, elle est juste là, hein, donc ça devrait aller. C'est juste éviter les mecs et faire au mieux, quoi. Tiens, il y a un coffre ici. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Désolée pour le petit bug de son. Moi, je vous embrasse très fort et très bientôt pour la suite de Crooks the Big Heist ou autre chose. Allez, salut!